Salut les amis! Regardez ce qu'on a trouvé! Ce sont des boîtes Little Big Bites bleues. Vous vous rappelez que nous en avions déjà une série jaune? Ouais, bien sûr qu'ils s'en souviennent! Vas-y, commence à les ouvrir! Sam! Ok, ok, comme tu veux! Alors, c'est parti! Ces boîtes font également partie de la série 1. Regardez ces dessins amusants! Voyons ce qu'on a là. Oh, nous avons déjà presque tout cela! Vous voyez les nouveaux? Ils aussi! Ils ont l'air trop cool! Mais déballez vite! Ok, Sam, j'ai 12 boîtes ici qui n'attendent que d'être ouvertes. Je vais commencer par... toi! Dans chacun de ces cartons, nous avons une boîte, un personnage et un accessoire. Toc toc, qui est là? Voyons voir! Waouh! Il m'a croqué le doigt! C'est un oiseau! On dirait un toucan! Il est trop mignon! Et il a un bec énorme! Sa tête tourne, il est trop drôle! Revenons à la boîte! C'est un très joli bleu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Ce support est très joli! Il est de la même couleur que la boîte! Regardez ça, les amis! Il y a des empreintes d'animaux ici! Des chats, des oiseaux et même des chevaux! Oh, continuons à vider la boîte! Voyons voir! Il y a un catalogue, nous y reviendrons plus tard! Et un sachet! Je vais l'ouvrir! C'est un ananas! Regardez comme il est beau! Tu veux de l'ananas, petit oiseau? Miam, miam, miam! En plus, les personnages des boîtes bleues peuvent aussi être utilisés comme porte-clés! Je vole! Je vais mettre notre oiseau sur son support! Voici donc notre premier personnage! Et c'est le moment de le cocher! Oh, merci Sam! C'est le catalogue dans lequel on a marqué les Little Big Bites jaunes! Voyons voir! Donc notre premier personnage de boîte bleue est cet oiseau! Il nous permet d'ailleurs de compléter la série Hotspot! Et passons au suivant! Ouvrons vite, j'ai hâte de voir! Qui se cache là-dedans? Ça y est! Oh, waouh! Regardez les amis! Qu'est-ce que c'est? Un chat licorne! Il est trop chou! Son pelage est comme nacré, sa queue est super flashy! Et il a des cœurs sur les pattes! Oh, trop mignon! Attends-nous par ici, petit bonhomme! Je vais finir de vider la boîte! Oh, un autre catalogue! Bif, on n'en a pas besoin! Voici le présentoir et le sachet surprise! Où est l'ouverture? Oh, elle est là! Qu'est-ce que c'est? Wow, c'est un donut! Très appétissant! Il a un glaçage rose! On en mangerait! Je pense que notre chaton va l'adorer! Miaou! Miaou! Va sur ton présentoir, petit minou! C'est notre premier personnage de la série Way Far Away! Continuons! Sésame, ouvre-toi! Et le moment le plus sympa? Mords-moi! Wow! Une baleine! Ses taches sont... comme de vraies taches de baleine! Elles sont de la même couleur que sa corne! Yeah! Gna gna! Il y a des personnages vraiment fantastiques dans ces boîtes bleues! Je les adore! Et vous les amis, dites-le-moi dans les commentaires! Ouvrons le sachet! Qu'est-ce que tu caches? Montre-moi! C'est... un diamant rose! Je ne savais pas que les baleines aimaient les diamants! Je pense que notre amie les aime, elle, en tout cas! Voici donc notre troisième jouet du jour! Et cette baleine est le deuxième personnage de la série Deep Blue Sea. Et ça nous fait donc une seconde série complète. Plouf, 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 ça sera toi. Voyons qui nous allons trouver ici. Ah ah! À vos marques, prêts? Mordez! Waouh! Ça, c'est de la morsure. C'est un... koala violet? Trop drôle et très intéressant. Regardez ses jolies petites pattes et ses poils sur son ventre. Attends par ici, je reviens. Voici la notice, le support et l'accessoire pour notre petit animal, bien sûr. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le sachet, les amis? C'est une brosse à dents. Vraiment? Notre koala ne va certainement pas la manger. Mais on pourra lui brosser les dents! Génial! Installe-toi ici, mon mignon! Et notre koala au sourire ultra bright appartient à la série Out of the Woods. Boîte suivante! Viens par ici! Ce sont les premières petites dents pointues du jour! Et la première langue orange... Oh! C'est un dragon!
Oh, il a l'air assez effrayant. Regardez ses écailles, ses ailes et sa queue pointue. Oh, et ses petites pattes sont trop mignonnes. Je me demande bien quel accessoire notre dragon va avoir. Oh, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je déchire. Yeah! Quel trésor caches-tu? Oh, waouh! C'est un casque viking! Je ne sais vraiment pas où notre petit dragon a trouvé ça. Ça lui va! Oh, pas trop mal! Va rejoindre tes amis. Et notre dragon est le deuxième personnage de la série Way Far Away! Je me demande quelle surprise nous attend dans la boîte suivante. Ouvrons vite! J'y suis presque. Morsure. Waouh! C'est vraiment le Yeti? Si vous pensez que c'est bien lui, mettez un pouce en l'air. En attendant, je vais regarder quel est son accessoire. Je me demande si ça sera quelque chose de comestible cette fois. Allez, sachet! Que réserves-tu pour le Yeti? Mes amis, je crois que j'ai encore besoin de votre aide. Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez que c'est. Miam! Ton trône t'attend. Voici donc le Yeti de Mythes et Légendes. Vous savez quoi? Je vais ouvrir deux boîtes d'un coup. 1, 2. Attention! Et 3. Mordez! Trop cool! Regardez-les plus attentivement. Lui, on dirait un petit bélier avec un appareil dentaire. Et la fourrure toute frisée. Et lui, je dirais que c'est un loup. Il a des dents bien pointues, tout comme ses oreilles. Cool! Mais il a aussi des griffes acérées. Oh, regardez ses vêtements. C'est peut-être un loup-garou. Oh. Vous voulez savoir quels sont leurs accessoires? Moi aussi! Je sors le support et bien sûr le sachet surprise. Celui-là est celui de notre petit bélier. Qu'est-ce que c'est? Yeah! Du pop-corn! J'en ai l'eau à la bouche. Tu as faim, petit bélier? Je crois que oui. Miam, miam, miam! Miam! Voyons maintenant l'accessoire du loup-garou. Oh! Tu te laisses pas faire, toi, on dirait. Il doit y avoir quelque chose de vraiment spécial dedans. Oh! Des lunettes! Ça complète parfaitement son look, non? Essayons-les! Je crois que ces lunettes sont un peu trop petites. Il ne te reste plus qu'à les manger, mon coco. Miam, miam, miam! Alors, on a un petit bélier avec un appareil dentaire. Dans la série Town et Country. Et le loup va dans la série Mythes et Légendes. Ce qui nous complète la série. Je n'ai vraiment aucune idée de qui nous allons avoir maintenant. Découvrons-le! Attention! C'est... un éléphant rose! On dirait qu'il sort tout droit d'un conte de fées. Sa trompe est adorable. Et regardez sa petite queue. Et il a même des ongles jaunes. Waouh! Voyons vite ce qu'il reste dans la boîte. La notice, le présentoir, les trucs normaux et le sachet mystère. Oh oh! Nous avons donc, on dirait une quille de bowling. Ou une sorte de bouteille. Je me demande bien ce qu'en pense notre éléphant. Alors? Délicieux! Notre éléphant va donc dans la série Pont et Plain. Il ne nous reste plus que nos trois boîtes. Et pour l'instant, pas un doublon. Et j'espère bien que nous n'en aurons pas. Les amis, je n'entends plus Sam depuis un petit moment. C'est pas grave, j'irai le chercher plus tard. Waouh, les amis! Les Little Big Bites sont tellement variés. Regardez-moi ces grands yeux noirs. Et sa combinaison spatiale est géniale! On dirait qu'il est assis dans une soucoupe volante. Tout son équipement est juste trop cool. Notre petit ami a aussi une jolie petite antenne sur la tête. Je n'ose même pas imaginer quel accessoire il va avoir. Dépêchons-nous de le découvrir. C'est... pistolet laser! Piou, piou! J'espère que tu vas bien t'entendre avec les autres animaux. Cet extraterrestre va dans la série Way Far Away. Hé, attendez! Il restait deux boîtes là-dedans! Sam! Oui! Ces jouets sont trop cool! J'ai voulu en ouvrir un! Très bien! Et où est-il? Attends une seconde! C'est du Sam tout craché! Tu parles d'un assistant?
Passons à l'avant-dernière boîte. J'ouvre. Je mets mon doigt dedans. Oh, c'est une grenouille! Pour être plus précise, c'est une petite princesse! Trop mignonne! Regardez ses petites pattes et son collier en or! Et quant à son accessoire, vous pensez que ça va être quelque chose de comestible? Voyons voir. Oh, incroyable! C'est un miroir avec un reflet de lèvres. Charmant! Notre petite grenouille va pouvoir s'émerveiller devant son reflet. Quelle beauté! Chut, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Fais voir, je vais te montrer. C'est un cactus. Tu dois lui donner quelque chose à croquer. Regardez, il est trop drôle. En fait, c'est une plante carnivore. Trop cool! Sam, tu regardes? Oui, si! Regarde ce que j'ai fait! Il faut un très joli bracelet! Allez, cochons nos derniers personnages. Alors, nous avons la princesse grenouille de la série Way Far Away et Sam a découvert la plante carnivore de la série Out of the Woods. Ce qui fait encore une série de complétés. Bien les amis, nous avons découvert tout plein de nouveaux personnages avec ces Little Big Bites bleus. Et on a aussi presque tous les personnages de la série jaune. Perso, j'adore vraiment ces créatures. Et vous, vous avez aimé cette séance de déballage? Si c'est le cas, donnez un like à cette vidéo et partagez-la avec vos amis. À très bientôt!